Et salut tout le monde, c'est Jayden, comment allez-vous? Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Uncharted 3 sur PlayStation 4. Nous nous étions quittés après avoir échappé à une des plus grosses catastrophes de notre vie. Et là nous sommes sur un énorme paquebot à la recherche de Ramsès, le capitaine pirate, même si moi j'aurais plus tendance à dire le mercenaire. Parce qu'il détient Sully et qu'il faut qu'on sauve Sully. Voilà, donc let's go pour sauver Sullivan, hein? Ça commence bien. Au moins j'ai mon flingue para, c'est déjà bien. Parce que je me demandais si j'avais gardé des trucs justement, et apparemment oui. Par là. Juste un truc avant que j'ai jamais fait mais qui me saoule un peu. Volume. Voilà. C'est pas contre le jeu mais je vais baisser un tout petit peu pour pouvoir mieux entendre les voix. Allez, grimpe, 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 Nate. N'aie pas peur, grimpe. Donc oui, nous sommes sur ce paquebot géant. Et nous devons aller sauver Sullivan qui a été capturé. Du moins, c'est ce qu'on nous a dit. Donc on va voir si c'est vrai ou pas. Je sais pas, moi je me dis, est-ce qu'ils ont vraiment eu Sullivan? D'un côté, oui, parce qu'ils ont l'air très doués en manipulation. De l'autre, je ne sais pas. Et quelque chose me dit qu'il y avait un trésor de l'autre côté. Donc je vais aller voir de l'autre côté. Alors... Eh ben non. Projetons un tout petit peu. Eh, t'as vu quelqu'un mourir? Non, pas du tout. Vas-y, reprends. Il n'y a pas de trésor. Moi, je pensais qu'il y avait un trésor par là. Apparemment, non. Je vais retourner de l'autre côté. Parce que j'ai envie. Alors. C'est parti. Ok, bon, lui il est là. Il est pas très gênant, donc on peut le supprimer. Vous savez quoi, je vais garder le para finalement. Je pense qu'il va m'être plus utile. Je dirais pas non à une arme secondaire. Oui, voilà, comme ça. Ouh, ça me donne la tonne de mun. Ça sent pas bon. Vive la discrétion. Oh, tu parles. Vive la discrétion. Tiens, mange. Oh, ah oui, c'est vrai. Il y a un endroit où je dois aller ici. C'est pas encore dispo. Mais quand ça le sera. Voilà, t'es mort. Normalement, ça devrait l'être bientôt. D'où est-ce que ça peut venir, ça? Oh là là. Ah, voilà le gros balourd. Un accès qui doit se débloquer ici. Il me semblait que si. Oula non. Laisse-moi tranquille. Surtout que lui pour le vaincre il est chiant parce qu'il faut vraiment le viser en pleine tête. C'est bon. Non, 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 laissez-moi! Oh putain! Ah oui, mais cet ennemi-là, il est chiant. Ah non, je me suis juste gouré. Voilà. Il est où? Il est là, je l'ai vu. Normalement, ici, il peut pas m'atteindre. C'est pas une safe zone, mais ça peut vous protéger, on va dire. J'ai dit que ça pouvait, j'ai pas dit que ça marchait.
Ah, cette phase-là, elle est pas facile, c'est sûr. Faut que j'arrive à avoir l'autre avec son lance-grenade de merde. Je crois que je l'ai eu. Je l'ai eu, mais l'autre qui surveille. Attends un peu. Ah, je sais même plus si je suis obligé de le tuer. Oui, je crois que je suis obligé de le tuer avec le lance-grenade. Parce que sinon, c'est trop dur de le tuer. Oh là là. Son arme. Hyper pratique, hyper chiante. Faut descendre. Parfait. Non. Je ne veux pas. Non. Ok. Toi ta gueule. Oh oh. Oh non mais, hé. Hey. Ta gueule. Faites pas chier là, je m'occupe de votre collègue. Fais-moi le malin, hein. Saloperie, va. Allez hop. Cache-toi. Elle est bien cette arme. Peut-être la garder. Par contre, je suis super lent avec. Bon, il n'y a plus l'air d'y avoir d'ennemis. Au revoir. Je m'en vais. Emmène le prisonnier dans la cave. Merci pour l'info, Marco. Ah. J'allais dire justement est-ce qu'il va faire la ref. Allez, on entre. Et merde. Oh là là. Ta gueule. Parfait. Merde, je me suis fait avoir. Oh. Aux abris. Merci. J'insiste. Butez-le. Ta gueule, toi. Voilà, dégage. À terre. Oh, encore un. Allez, lâche. Eh ben voilà.
Préférez mon flingue, merci. Ouais, je me disais. Je me souvenais qu'il y en avait au fond. Il y en a qui est mort. Wow! Oh, bien visé! Il y en a qui est mort. Et lui. Oh, il... Wow. Voilà. Il est pas mort. Qu'il est là. Oh là là, comment vais-je faire? Ah oui, comme ça. Putain. Bon, on a bien cassé les couilles, toi. Hein. C'est pas fini. C'est pas fini. Je crois les derniers viendront par là. Non mais ils arrivent. Entrez là-dedans. C'est quoi, on va leur faire la surprise. Coucou. Ça vous a plu? Il n'y a rien par là. Bon bah écoute, je prends votre arme, hein. Ça sera plus pratique que la mienne. Et c'est parti. Faut descendre dans la cale. Ça doit pas être très loin quand même. Non, le sniper il est mieux, je trouve, personnellement. Hé hé, je me disais, ouh, ça c'est une belle bague. Et boum! Il n'existe plus, tout simplement. Ça doit être par là. Ouais, je dois plus être très loin là. Est-ce encore loin? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas, non, que ça soit encore très loin. On y va. Descends correctement, Nathan, j'ai pas envie de mourir, s'il te plaît. Voilà. Sully. J'arrive. Sully. Tiens bon, Sully. Sully. Ah, il bouge pas beaucoup pour... Oh les bâtards, c'est pas le vrai. Oui? Tu m'as causé pas mal de problèmes. Je te donne ma parole que ça va s'arrêter. C'était du bluff, pas vrai? Évidemment. Je mentais. Ben quoi? Je suis un pirate. Yallah, Tchoko! Ouais, vas-y, mon pote, marre-toi. On sort là! Vas-y. Essaye.
Ah, apparemment, je l'ai touché. J'hésite à dire si c'est de la bêtise humaine. Oh yes, en plein dans la gueule. Bâtard, il s'est éloigné. Oh là là. Le bateau va couler, je vous signale. Eh, bande d'idiots. Voilà. Voilà. Devrait être tranquille pour un petit moment. J'ai rien dit. Oh là là, d'accord. Oh là là, non. Putain. Tu t'as cru quoi, toi? Voilà, dégage. Voilà, ça devrait aller. Ah, j'allais dire, il y a encore un ennemi, là. Oh là là. Parce que tant qu'il y avait des ennemis, le paquebot n'allait pas se retourner. Faut que je tente d'ici. Et vite. Parce que là, un bateau qui coule, je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose, Nate. Monte. Vite. Parfait. Faut qu'on s'en aille, oui. Faut qu'on s'échappe, qu'on s'en aille. Ça revient un peu au même pour moi. Oh oh. Cours, Nate. Oh là là là. Vite. Ah non. Je crois que c'est carré. Un triangle. Je me suis gouré de touche, allez! Vite! Faut qu'on s'en aille! En avant! Vite, 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 Nate! Je sens le cœur qui bat là, il va commencer à suffoquer. Ouf! Ah, dépêche-toi quand même, hein. On n'est jamais trop prudent. Cours! C'est bon. Oh! Par où je sors? Réfléchis, Nate, réfléchis. Le rouge là, je peux l'attraper? Oui. Ça fait bizarre de remonter un bateau, mais pas dans le bon sens. Oula! Ok. Là, il y avait. Voilà. C'est par là. Alors, logiquement, c'est sur ta gauche, Nate, le haut. Si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y avait un truc dans la salle de bain. Ouais. Un bracelet. Ouais, il y a plus joli, mais il est pas mal. Faut qu'on s'en aille et vite. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça mise beaucoup sur le spectaculaire maintenant dans les jeux d'aventure. Hein. Encore une fois, le côté catastrophe. Oui, je reconnais la salle, je crois. Ça doit être la salle de bal. Doucement, Nate. Oui, oui, voilà, doucement. Je sais pas si lâcher, ça serait une bonne idée. Mais apparemment, non. On va y aller avec l'ascenseur, hein, c'est plus prudent. Oh oh! Un truc pour m'accrocher! Non, non, non!
Non, je peux pas. Ça va lâcher. C'était sûr. Alors là, je sais qu'il y a un truc pour le lustre. Enfin, je sais qu'il y a un trésor, mais je sais pas où il est, donc je vous avoue que... Pas vraiment empiré. Oh, parle pas de malheur, s'il te plaît, Nathan. Non. Si ça se peut. Ça peut toujours être pire. Tu devrais le savoir depuis le temps. Voilà, c'est bon. Non mais Nate, t'aimes tout casser, hein. Dis-le. Oh. On va dire que Nate est chanceux pour survivre. Oh. Faut sortir de cet aquarium. Ouais, on est d'accord. Même si on va être au milieu de l'océan. Oh. Charmoud, crève. On se verra en enfer, Habibi. Il est fou. Cours. Non. On va arrêter ça là. Vite. T'arrêtes pas, Nate. Faut que je me dépêche. Je m'en suis sorti. Apparemment, oui. Je crois qu'en fait, Nate, il est chanceux pour survivre. Mais pas en général, juste pour survivre. C'est pour ça qu'on dit qu'il est chanceux, mais en vrai, il l'est pas du tout, je suis désolé. Bonjour. Dégage de là. Ouais, aussi. C'est une bonne manière de dire bonjour. Putain, Nate, il doit être épuisé après tout ça. Tu peux pas faire tout ça en vrai et dire après « Oh, ça va mieux !» Ça tombe bien. Non, non, tu peux pas. Bonjour. Ça roule. Et le mec, il reprend sa promenade. Ouais, c'est tout à fait naturel. Ok. Ok, oui. Ouais, je comprends. Tu peux me rappeler si... S'il y a du neuf. C'est pas vrai. Je te laisse. Nate! Je croyais que c'était mal vu. Tais-toi. J'ai vraiment cru t'avoir perdu. Non. Tu vas bien? Est-ce que... Sully... Il est vivant. Oh, merci. Mais ils l'ont pris. Quoi? Où? Dans un convoi qui se dirige vers le désert. Il faut y aller. Wow, non. Non, c'est... C'est pas aussi simple. Ah. T'as besoin de repos, Nate. Ils ont minimum 2 jours d'avance sur nous. On les rattrapera jamais. Oh. On doit essayer. Écoute. En fait, j'ai un plan. Mais on n'aura vraiment pas droit à l'erreur. Ok. Ils vont charger un avion cargo à l'aéroport... pour larguer des provisions sur le convoi. Il faut qu'on soit dans l'avion. Exactement. Tu sais que ça veut dire qu'on va sauter en parachute? On l'a déjà fait. Tant bien que mal. Bon, je prendrai bien un verre d'eau et puis on pourra y aller. Non. Non, mon contact à l'aéroport dit que l'avion décollera pas avant l'aube. Pendant ce temps-là, essaie de dormir 1 heure ou 2. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Allez, ça va. Il appelle s'il y a du changement. T'allais vraiment faire ça toute seule, hein? Pour Sully? Ouais. Ça. Je sais ce que tu veux dire.
Je sais. Ils allaient se marier et Nate a fui le mariage? Je sais pas, hein. Je fais des théories par rapport à la mise en scène. Mais bon, ça expliquerait pourquoi ça s'est fini entre eux. Mais bon, encore une fois, encore une rupture entre Nathan et Elena entre deux jeux. Non, la première fois encore, on peut être gentil, la deuxième, non. Ok, tiens. Eh ben, j'espère ne pas avoir à m'en servir. Je sais, mais faut qu'on soit discret. S'il nous voit entrer dans l'avion, on est mort. Nathan Drake discret. Ça fait rire, dit comme ça. Bon. Chapitre 16, un seul coup. On a encore du temps. Hey Nate, par ici. Je crois qu'on peut couper par le bâtiment. Super, bien joué. Soulève-moi ça. Ah, ça fait plaisir d'avoir Elena à nouveau en allié. Quand tu veux, hein. Passe dessous. Tu tiens bon ? À mon tour. Tu peux la lâcher. Je crois que c'est par ici, si mes souvenirs sont bons. Ah oui, Nate, là, t'es en meilleure forme quand même, hein. Oh ! C'est pas ce que je voulais à tout prix, mais c'est très bien. Qu'il y a une sortie de l'autre côté. Merde. Est-ce que ça va? Ouais. Ouais, super. Ah, on va s'amuser là. Elle est où, Elena? Ah, elle me rejoint. Faut qu'on monte ici. On pourrait sortir par cette fenêtre. Mais on doit monter. Et si on servait de ça? Ce serait pratique, non? Si on met le point mort, on devrait pouvoir la pousser. Je pousse et tu tournes. C'est parti! Allez, une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Allez, courage, Nathan, tu peux le faire. Tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. C'est encore loin? On y est presque. Continue. T'as pas essayé de trouver les clés? Tu peux pousser? Y'a peut-être pas de clés. Ok, tiens-la en place, je vais monter dessus. Vite, vite, je tiens plus! Je vais pas tenir très longtemps! Tu peux lâcher, les armes. Ah, ça fait mal! Ça fait mal aux doigts, oui. Pour avoir vécu ça, oui, je confirme, ça fait mal. Allez, hop! Tu parles d'un avion? Attends une seconde, j'ouvre la porte. Fais attention, PG, j'entends deux voix. Pas un avion, c'est un dirigeable, le truc. Attention. Toujours prendre le plus éloigné. Qu'est-ce que c'était? Allez! Ah ouais, en plus je devais péter trois verrous. Voilà! De rien. Oh merde, baisse-toi, baisse-toi, derrière. On n'est pas encore tiré d'affaire pour autant. Merci. Elena, t'as le droit de tirer sur l'autre, hein. Voilà, il n'y en a plus. Je crois qu'il faut pousser la voiture, là. Non, c'est bon, Elena, il n'y a plus rien. Hein.
Peut-être se rapprocher de la porte. Oh! En douceur. Coucou! Tout va bien? Ouais, et toi? Ouais, ça va. J'ai connu mieux. La même? Ouais, on devrait pouvoir la refaire. C'est reparti! Ouais, mais avec la descente, ça va pas poser problème. Ça tient plus! Je tiens plus! Oh, 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 tiens plus! Oh merde, ça craint! C'est pas bon du tout! Oh, c'est pas grave. À terre! Oh yes, je l'ai eu par accident, mais je l'ai eu. Il y en a encore un. Non? Ah, Elena. Bon bah apparemment il n'y en a plus. Par là. Oh, on va faire un des passages les plus durs du jeu. Enfin les plus durs, les plus chiants surtout. Fais chier, non mais il y en a combien? Bien trop. On doit passer le plus discrètement possible. Ce qui n'est pas possible, moi j'ai jamais passé ce passage discrètement. Ah merde, on est repéré. Attention, ouais, bah adieu les fêtes surprises. On élimine ces gars au plus vite. Relève pas la tête. Putain. Il est fini. Je me suis fait encercler, c'était pas du jeu. Voilà, vengeance. Ça, c'est Elena. On va retourner en arrière, non. C'est l'idéal. Ok. Ok. Moi, je reste surtout près du grand camion. Du grand camion, n'importe quoi. Un camion, c'est une citerne. Ah voilà. Attention. Non, 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 non. On va bien. Merde, j'ai plus de balles. Ça va péter. Okay. Faut monter. Où est le sniper? J'ai plus de balles là, j'ai rien. Ok. Ça fait un moment que j'avais pas fait cette technique. Ah putain de merde, y'a trop d'ennemis là. Mais non! Mais non, mais je voulais esquiver! C'est pas du jeu. Ah si, je peux les affronter en mêlée en fait. Oui, oui, bah justement, je voulais m'éloigner. Hop. Aïe! Mais d'où? Qu'est-ce que tu vas faire, toi, hein? Moi, je te vois pas.
Oh là là. Merci. C'est ça que je voulais, moi. Ouais. D'accord. Je respecte. Il est pas mort. Quand même. Non, non. Tiens. T'attrape. Trop loin. Ok, suis-moi. C'est terminé. Bon, la peine, je prends ça. Pouh. Ouais, j'en ai un peu marre des morts, là. Surtout pour des raisons connes comme ça, en fait. Je suis tellement mort de façon trop nulle. C'est incroyable. On y est presque. C'est juste derrière ce toit. C'est bon. Il y a un peu de monde, hein. Plus qu'à descendre. Non, mais... Non, non, non. Ça, j'accepte pas. Fini le chargement. On ferait bien d'y aller. Allez. Je suis désolé, une chute de cette taille-là devrait pas lui faire de mal à ce point. Merde. Tout ça parce qu'il fallait prendre l'échelle. C'est ridicule. Ok. C'est la dernière ligne droite. Ouais. Je vais grimper là-haut et après je t'aiderai. D'accord. Couvre-moi. Ok. Elena, écoute. Oh, bon sang, je savais que t'essaierais de faire non. ça. Non. Descends. Soyons honnêtes. Je n'ai aucune chance. Et quand j'ai failli te tu perdre... Tu vas pas me perdre. Je ne veux pas revivre ça. Alors, prends cette Jeep là-bas et fiche le camp, ok? Pour moi. Tu n'as pas beaucoup de temps. Fonce. Ah, Elena est compréhensible ici. Bon, va falloir se calmer sur les fails, hein, d'ailleurs, parce que là... Ah, vraiment falloir se calmer. Bon, allez. Merde. Passons là. Ah, j'ai plus que mon flingue silencieux, fais chier. Bon, d'accord. Je passe plus haut. Merci. Tiens. Voilà, ça va mieux quand tu joues comme ça, Nate. Et yep, le plongeon. J'aime bien faire ce coup-là. Ouf. Bel atterrissage. J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Putain, je cours pas assez vite. Et un coup de main là. Quelque chose. Oh. Génial. Allez, grimpe. Vas-y. Hey, c'est une habitude. Ouais. Approche du train d'atterrissage. Ok. Là, faut que je décide à droite ou à gauche. Enfin, s'il veut bien parce que... Reste dans l'axe. Ah voilà. Vas-y! Au revoir, Elena! Oh non!
Oh mon dieu! On s'en va vers la traversée du désert. Mais on verra ça la prochaine fois. Donc merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Peut-être que plus d'abonnements me donneront plus de skills. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!